Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir et d'avoir bravé. On nous parle de moins 14 cette nuit, alors c'est gentil de votre part. Je fais tout, même la météo à la radio. Alors, je ne vous ferai pas l'injure de vous présenter, ni je ferai l'injure à Julien Bois de vous le présenter. Julien et moi co-animons une émission sur Radio Shalom depuis près de 10 ans et il est très connu et on apprécie toujours l'exactitude de son analyse. Ce soir, il va nous parler sur la loi sur l'état-nation du peuple juif, cette fameuse loi. Et on aimerait savoir où ça en est, surtout dans les circonstances actuelles, entre Gaza et Israël. Je ne dirai pas plus. Je laisse la parole à mon ami, le professeur Julien Breuer. Merci beaucoup, Monsieur le Président. D'abord, je veux dire qu'il y a quelque chose d'assez surprenant. D'habitude, lorsque je fais mon pèlerinage annuel à Or HaChaim, il y a toujours une tempête de neige. Et là, il n'y en a pas. On nous avait prévenu, il y aura de la neige, il y aura de la neige, il y aura de la neige. Il n'y en a pas. Donc je ne sais pas si c'est le réchauffement climatique ou si c'est la chaleur de ma parole qui a fait fuir la neige. Bon. C'est Trump. C'est la faute de Trump, vous avez raison. Et de Bibi, les deux ensemble. Non. Deuxièmement, il y a quelque chose, j'ai décidé de faire quelque chose de bizarre. Depuis quelque temps, un sujet à la mode, c'est... la loi sur Israël, état-nation du peuple juif. Il y a quelques personnes qui en disent du bien, il y en a beaucoup plus qui en disent du mal, et pas qu'un peu. Alors si vous lisez des journaux remarquables comme Le Devoir, Le Monde, le New York Times, vous apprendrez que c'est absolument répugnant, que c'est la démocratie en train de disparaître en Israël, mais il y a quelque chose d'assez bizarre. Aucun de ces journaux n'a publié le texte de la loi, qui pourtant est un texte très court. Autrement dit, la quasi-totalité des gens qui parlent de Israël, état-nation du peuple juif, n'ont pas la moindre idée de ce qu'il y a dedans. Et c'est justement parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent qu'ils en parlent avec d'autant plus d'autorité. Et ça, c'est général, y compris, hélas, et je répète, hélas, une troisième fois, hélas, dans la communauté juive, ici, dans le reste du Canada, aux États-Unis, en France, un peu partout dans le monde. Autrement dit, les gens, ne sachant pas de quoi ils parlent, peuvent affirmer en tapant sur la table, je sais qu'Israël a tort. Ben, alors moi, j'ai décidé, non pas de vous bourrer le crâne, mais de vous faire confiance. Parce qu'après tout, je suppose que les gens, ils sont pas bêtes. Entre les deux oreilles, vous avez tous de la matière grise, du cerveau, de l'intelligence, etc. Je peux vous aider à l'utiliser, mais je ne vais pas le remplacer. C'est pourquoi j'ai fait une photocopie de la loi sur Israël, état-nation du peuple juif. Et il y en a suffisamment, si vous pouvez passer, s'il vous plaît, pour tout le monde. Comme ça, vous saurez vraiment de quoi on parle. En politique israélienne, il y a de cela assez longtemps, il y avait trois mousquetaires. Trois mousquetaires s'appelaient Yossi Bellin, Avraham Bourg, Chaim Ramon. Yossi Bellin, c'est le bonhomme qui est derrière les accords d'Oslo, qui avait rencontré Arafat. On sait ce que ça a donné. Il continue à être persuadé que c'était une excellente idée. Mais que peut-être qu'il s'est fait un peu avoir par les Palestiniens. Alors, il continue à être pacifiste, mais il est suffisamment honnête pour se rendre compte que c'est plus compliqué que ce qu'il avait cru il y a 25 ans. Bon. Avraham Bourg, c'est différent. Fils du ministre de l'Intérieur,
religieux, qui a fait une carrière extraordinaire. Après tout, il a été président de la Knesset, il a été président de la Sortnout, de l'organisation sioniste mondiale. Et lui, il a viré sa cutie. Et Bellin dit de Bourg, c'est un copain d'enfance, on se connaît bien, mais je ne le comprends pas. Il passe son temps à l'étranger à dire du mal, non pas du gouvernement israélien, mais de l'État d'Israël. Il dit aux gens, il dit aux Israéliens, prenez la nationalité d'un pays européen pour pouvoir vous enfuir lorsque ça ira mal. Bourg. Oui. On n'interrompt pas. Troisièmement, vous avez Chaim Ramon. Chaim Ramon a été ministre de la Justice. Alors, tous les trois sont socialistes. Bonne tête, visage poupin, sympathique, faisant beaucoup plus jeune que l'âge qu'il a. Et à l'époque où il était ministre, on le voit avec une réception, une soldate littéralement collée à lui. On n'aurait pas pu mettre une feuille de papier à cigarette entre le corps de cette soldate et le ministre. Alors il s'est imaginé qu'il pouvait tout faire. Il lui propose, venez avec moi dans ma chambre. Et elle refuse. Et comme le petit peu honnête, il a laissé tomber. Mais elle l'a accusé d'harcèlement sexuel. Et comme il n'avait pas que des copains dans la vie politique, tout le monde lui est tombé dessus. Alors il a dit, je vais me retirer du poste de ministre de la Justice en attendant que mon nom soit exonéré. Résultat, il a abandonné la vie politique, il est passé dans le secteur privé. Ces trois bons hommes-là avaient passé un accord où ils disaient « Celui de nous trois qui aura le plus de chances de devenir Premier ministre d'Israël, les deux autres se retireront pour épauler sa candidature et en échange, ils auront un poste de ministre. Si c'est Bellin, c'est Bellin. Si c'est Bourg, c'est Bourg. Si c'est Ramon, c'est Ramon. » Bon, c'était un accord entre eux qui était de bonne guerre. Bon, ça se tient. Alors, il y en a un qui s'est retiré maintenant, Bellin, écrit des articles dans les journaux qui sont gaucho-sympas. C'est pas scandaleux, c'est pas épouvantable. Bourg, lui, c'est la pourriture absolue. Je le connais un peu, et là, j'ai eu un débat avec lui. J'ai jamais vu un type aussi répugnant que ça, se moquant en public de rescapés des camps de la mort. Pour se faire du capital politique, passons. Et Ramon, il avait complètement disparu de la circulation. Bien. Il y a de cela un peu plus d'un mois. À Jérusalem, une organisation qui s'appelle Qohelet, organisation think tank de centre-droit, traditionnel, pas très méchant, organise une journée d'études pour parler de Israël, État-nation du peuple juif. Et ils ont fait venir des gens haut de gamme. Le premier à parler, c'était Edelstein, qui est le président de la Knesset, quand même pas n'importe qui. Madame Regev, ministre, qui est très en faveur de la loi. Tzipi Livni, leader de l'opposition, qui est tout à fait contre la loi. Plus des Chavri Knesset, des professeurs, des diplomates, des militaires. Alors, ceux-là, c'était des gens à la retraite. Parce qu'il y a le devoir de réserve. Vous ne pouvez pas avoir des opinions politiques officiellement en public lorsque vous êtes encore militaire ou diplomate. Bref, c'était ouvert. Il y avait des gens de droite, il y avait des gens de gauche. Ça avait l'allure. Et lorsque Ramon prend la parole, tout le monde se dit « Bon, c'est un vieux de la vieille, il est socialiste, il va dire gentiment du mal de la loi, contrairement à Tzipi Livni, qui, elle, est une andouille, qu'il a dit de façon très violente, mais elle n'est pas capable de parler intelligemment. C'est pas de sa faute. Elle a un problème. Elle a une maladie physique extrêmement grave. Elle est... Je sais pas si elle est née avec ça, mais elle a un pot de colle collé aux fesses. Et pour elle, tout est bon pour redevenir ministre. Et si possible, Premier ministre. Et elle est prête à tout pour ça. Comme elle est déjà passée par 4 partis politiques en 5 ans... grand bien lui fasse, elle pourra passer à un cinquième parti, à un sixième, et ses chances raisonnables d'être au pouvoir
ne me paraissent pas excessives, parce que personne en Israël, même les gens de gauche, ne la prennent au sérieux. Fermons la parenthèse. Donc, il y a Ramon qui parle avec son grand sourire. Et voilà ce qu'il dit quasiment mot à mot. Attention. J'ai lu le texte de loi. Israël est la nation du peuple juif. Puis j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a là? C'est d'une banalité affligeante. Ça nous dit quoi? Qu'Israël, c'est nous. Et nous, on est Israël. Et alors? Ben, on le savait. On n'a pas besoin d'avoir une loi pour nous le dire, on le savait. Il a dit, mais je l'ai relu. Je l'ai relu. Il dit, mais pourquoi les gens s'énervent tellement là-dessus? Et puis là, j'ai commencé à lire les commentaires. Et tout d'un coup, ça m'a frappé. Ce qu'on reproche à la loi, c'est pas ce qu'il y a dedans, c'est que ce qu'il n'y a pas dedans. Ce qui est quand même assez bizarre, là. Il avait dit, regardez, dans toutes les sociétés démocratiques, c'est Ramon qui parle, là, vous avez deux grands courants, la droite et la gauche. Les progressistes qui estiment que demain, ça sera mieux qu'hier, qu'il faut changer la société, qu'il faut l'améliorer et tout ça. Et les traditionalistes qui disent non, la société d'hier était bonne, les changements c'est dangereux, donc il faut respecter la tradition, la façon de vivre et nos mœurs et nos coutumes et tout ça. Et il dit les deux sont parfaitement légitimes. On peut être côté progressiste, on peut être côté conservateur, pourquoi pas? Quoi le problème là? Il dit en ce qui nous concerne, nous en Israël, dit Ramon, la gauche était en quasi-totalité, une gauche sioniste. David Ben-Gurion, tous ces gens-là. Donc, ils étaient de gauche, ils voulaient des nouveautés. Après tout, le kibbutz, c'était quelque chose de nouveau. Mais en même temps, en étant sioniste, en croyant dans les droits du peuple juif. Puis, il y avait une petite minorité de juifs, progressistes, de gauche, anti-sionistes. Mais il y en avait très peu. Il comptait quasiment pas. Et aujourd'hui, dit-il, mon parti, le parti qui s'appelle maintenant cancioniste, sionisme, enfin, ne me faites pas rigoler, enfin, ce qui s'appelait avant le parti du travail, Mifleket Avoda, dit aujourd'hui, le parti socialiste vote comme les gauchistes anti-sionistes. Et termine en disant le résultat va être qu'aux prochaines élections, nous atteindrons, nous les socialistes, le plus bas taux de vote qu'on ait jamais eu dans l'histoire d'Israël. Là, j'aimerais entendre vous dire dans la salle, on n'en revenait pas. On s'attendait vraiment pas à ça. Si quelqu'un de droite l'avait dit, on aurait dit ben, c'est normal. La droite n'aime pas la gauche n'aime pas la droite, donc c'est logique. Mais un type de gauche, avec un grand sourire, vous dit, on s'est fait avoir, mais on s'est conduit, mais comme des imbéciles. Et il insiste. Alors ensuite, il revient et dit, regardez, c'est quoi le problème? Alors là, on va regarder le texte ensemble. Israël est la patrie historique du peuple juif. Il dit, comment, à moins d'être un fanatique anti, on peut ne pas être d'accord avec ça? Foyer national du peuple juif avec ses droits naturels, culturels, religieux, historiques. Ok. On dit ensuite autodétermination nationale unique au peuple juif. Ah, là, ça commence à faire mal. Il dit, mais minute papillon, est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont un droit national en Israël? Si vous dites oui, l'État d'Israël n'est plus l'État du peuple juif. L'État d'Israël est l'État du peuple juif et du peuple arabe et du peuple druze et du peuple kurde, du peuple de tout ce que vous voulez. On dit, oui, mais les droits des... Ça retire aucun droit individuel à qui que ce soit. Ça dit tout simplement que le droit national est réservé au peuple juif. Vous allez me dire, mais c'est scandaleux. Mais, alors, c'est ce que disaient tous les fondateurs d'Israël, qui étaient eux-mêmes des socialistes. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est que l'ONU, qui n'est quand même pas un centre de propagande sioniste, hein, c'est le moins qu'on puisse dire,
l'ONU, dans son plan de partage, disait État arabe et État juif. Alors si l'ONU peut dire qu'il y a un État juif, quand les Juifs disent qu'ils ont un État juif, Mme Sipulivni dit c'est scandaleux. Alors s'il y a quelqu'un qui est imbécile là-dedans, à mon humble avis, c'est Mme Livni et pas la majorité des Israéliens et les gens de l'ONU qui avaient voté. Et ils ne disaient pas Israël, ils disaient État pour les Juifs. Non. Tout le reste, c'est quoi le problème? L'on État Israël, le drapeau, Magen David, etc., la Tikva, le menorah, sept branches, tous les machins, Jérusalem est la capitale du pays, la langue est l'hébreu. Alors là, on va dire oui. Et alors, on dit la langue arabe a un statut particulier et n'importe comment, ça ne porte pas atteinte au statut actuel. Là, les gens vont dire mais c'est épouvantable. On les enquiquine, ces pauvres petits arabes, on ne leur donne pas tous les droits. Dit, mais soit dit entre nous, pourriez-vous me préciser quels sont les droits des anglophones au Québec? Non, 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 je ne plaisante pas. Je suis extrêmement sérieux. Alors, juste pour vous donner un exemple, c'est un aparté, mais pour vous montrer à quel point, lorsqu'on parle d'Israël, les gens, y compris les gens les plus sympathiques et les plus intelligents, disent des âneries. Des années de ça, je fais une recherche sur la Cour suprême en Israël. Puis je me suis dit que c'était peut-être une bonne chose de rencontrer des juges de la Cour suprême, ce qui n'est pas de la tarte. J'en ai rencontré un qui venait de prendre sa retraite, qui s'appelait le juge Elon, religieux, c'était le seul qui avait une kippa dans toute la bande, un remarquable. Il a écrit un bouquin, enfin pas un bouquin, un truc en trois volumes en hébreu et quatre volumes en anglais sur Mishpat Ivri, la jurisprudence juive, absolument extraordinaire. C'est un bouquin qui fera date pour Dieu sait combien de temps. Donc c'est vraiment pas n'importe qui. Et il était lui-même opposé à la tendance dominante à la Cour suprême d'intervenir dans tous les domaines, en disant c'est pas notre rôle. On viendra dans les détails là-dessus un peu plus tard. Mais à moi, je lui dis, mais comment est-ce que vous pouvez déterminer si quelque chose se tient ou pas? Il m'a dit, ben, s'il n'y a pas de texte de loi, on va voir si ça correspond aux valeurs démocratiques plus ou moins universelles. Je lui ai dit, d'accord. Alors là, je vais vous proposer un texte de loi, et vous allez me dire si vous êtes d'accord. J'invente un texte de loi, j'avais préparé mon coup, et là, il devient tout rouge, il s'énerve. Il dit, c'est inadmissible, monsieur le professeur, je ne comprends pas comment vous pouvez proposer quelque chose d'aussi scandaleux. Croyez-moi. Si une loi pareille était votée à la Knesset, il n'y aurait aucun débat à la Cour suprême. C'est à l'unanimité qu'on dirait que ça viole les droits fondamentaux de tous les êtres humains. C'est scandaleux. Il dit, monsieur le juge, je viens de vous lire la loi 101 du Québec et j'ai changé français-anglais par hébreu-arabe. Il dit, je ne suis pas au courant. Ils disent quand même extraordinaire, la Cour suprême canadienne et la Cour suprême israélienne, vous avez d'excellentes relations. Vous vous rencontrez chaque année. Vous n'avez jamais entendu parler de la loi 101. Il fait non. Il dit, autrement dit, au Canada, lorsqu'on passe une loi pareille, sauf quelques points de détail qui ont été discutés, ce que la Cour suprême avait dit, si ça ne vous plaît pas, votez pour un autre parti politique et faites changer la loi. Mais en attendant, nous, on ne peut rien faire. Alors, dans ce qui est considéré comme étant juste un problème politique au Canada, en Israël, vous considérez comme un problème de valeur fondamentale démocratique. Quelque chose qui tourne pas rond. Revenons à nos moutons. Lorsque l'on dit que la langue du pays est l'hébreu et que l'arabe continue à garder le statut qu'il avait, ça change, ça diminue pas les droits des Arabes. Ça dit tout simplement qu'il ne sait pas la langue nationale du pays. Mais si ce n'est pas valable pour Israël, la même logique devrait dire que ce n'est pas valable au Canada. On ne peut pas avoir un système dans un pays, un système dans l'autre, et dire non, 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 ce qu'on peut faire chez nous, on ne peut pas le faire chez vous. Il faudrait savoir. OK. Le reste, y a plein de trucs. Le seul point sur lequel, à mon avis, la traduction est mauvaise, c'est le point 7, implantation juive. L'État considère le développement des implantations juives comme une valeur nationale
et agira pour encourager et promouvoir sa création et sa consolidation. Le mot en hébreu, c'est « itnachaluyot », qu'on traduit en français d'habitude par « implantation », en anglais par « settlements ». Et dans le sens récent, c'est devenu les localités juives en Judée-Samarie. Et à Gaza, quand il y en avait à Gaza. Ouais. Sauf que « settlement », ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire « localité juive en Israël ». Et on appelait Mitnachalim, non pas les gens qui allaient habiter en Judée-Samarie, mais les gens qui habitaient dans le Galil, dans le Negev, dans la région de Jérusalem, dans la région de Tel Aviv. Autrement dit, lorsqu'on parle de Mitnachalim dans l'hébreu classique, pas celui des dernières années, c'est toute personne qui habite dans une localité juive. Et dans ce sens-là, Tel Aviv est un settlement, Natania est un settlement, Dimona est un settlement, Nahariya est un settlement. Autrement dit, contrairement à ce que les gens pourraient croire, quand on parle d'implantation juive, ça ne veut pas dire que la loi Israël est la nation du peuple juif, dit que créer des localités de l'autre côté de la ligne verte, en Judée-Samarie, est une obligation. C'est pas ça que ça dit. Si ça le disait, il y en aurait qui diraient, on n'est pas sûr. Donc il y aura un débat politique légitime. Ça dit tout simplement, créer des localités juives sur la terre d'Israël est une bonne chose en soi. Mais Ribono shel Olam, c'est ce qu'on fait depuis, non pas depuis 48, mais depuis 1880. Alors, même avant. Maintenant, si on me dit que ça, c'est du colonialisme, c'est le vocabulaire des Palestiniens, c'est le vocabulaire de BDS, c'est le vocabulaire des nazis, c'est le vocabulaire de toutes sortes de salopards. Et il y a une cinquantaine de députés israéliens qui sont d'accord avec cette perception-là, mais ils sont malades, ces gens-là. OK, on continue. Le calendrier officiel et le calendrier juif. Oh, Chazve Khalila. Yom Ha'atzmaout, c'est important. Ouf, c'est épouvantable. Le repos du normal, c'est le Shabbat. Mais les autres peuvent garder des repos différents. Soit dit entre nous. Si la ville de Côte-Saint-Luc décidait que ses services municipaux sont ouverts le dimanche, mais fermés le samedi, ça serait considéré comme une violation de la loi au Québec. En Israël, si à Nazareth, on décide que les services municipaux sont ouverts le Shabbat, mais sont fermés le dimanche parce que la majorité de la population est chrétienne, c'est considéré comme normal. Alors, encore une fois, il y a un petit problème quelque part. OK. Autrement dit, le machin important là-dedans, c'est que la loi répète des choses, comme le disait Ramon, qui sont banales, qui vont de soi. Ben oui, Israël, c'est à nous. Puis le Magen David, c'est notre symbole. Et puis l'hébreu, c'est notre langue. Et puis Jérusalem, c'est notre capitale. Il n'y a rien d'extraordinaire. Alors Ramon vous dit, c'est quand même fascinant qu'on va voter contre une loi alors qu'on est d'accord avec ce qu'il y a dedans. La seule chose avec laquelle on n'est pas d'accord, c'est qu'on a oublié de mettre le mot « shivyon », le mot « égalité ». Égalité de tous les citoyens. Il dit, mais l'égalité de tous les citoyens, d'abord, il y a des lois qui parlent de ça, mais deuxièmement, une loi sur l'État-nation, c'est une loi sur l'État-nation. C'est pas une loi sur les droits et les devoirs des citoyens. Autrement dit, on peut pas mettre dans une loi ce qui n'est pas à sa place. Donc l'opposition en Israël aurait très bien pu dire, nous allons voter pour la loi parce qu'on est d'accord, mais nous allons en proposer une qui serait égalité de tous, qu'ils n'ont pas fait. Autrement dit, ils se sont retrouvés à voter avec la liste unifiée arabe. Et la liste unifiée arabe est au sionisme, c'est que la prostitution est à l'amour, si je me permets cette expression. C'est absolument invraisemblable. Alors vous allez me dire, oui. Mais
Alors, le oui, mais est la chose qui est très difficile à comprendre, c'est que le vocabulaire et les idées véhiculées en Israël ont connu un changement majeur au cours des dernières années. Ce qui était considéré comme allant de soi, comme évident, c'est le titre de ce soir, une évidence controversée, aujourd'hui, on se pose des questions. Lorsque, en 1948, vous avez les premiers bateaux qui arrivent en Israël de façon libre, il n'y avait plus les Britanniques pour arrêter les gens et les envoyer à Chypre, vous avez plein de rescapés des camps de la mort qu'on a envoyés immédiatement à Latroun. C'est en bas de la route qui va de Jérusalem à Tel Aviv, ouais, pour essayer d'aller aider Jérusalem, qui était assiégée par la Légion arabe, pour sauver Jérusalem. Autrement dit, on envoyait des gens dont des centaines se sont fait tuer. Jérusalem, il n'y avait aucune richesse là-dedans. C'était d'un intérêt stratégique nul. Mais Ben Gurion a dit non, c'est le symbole même du peuple juif. On ne peut pas ne pas se battre. Et aujourd'hui, il y a des gens qui viennent nous dire, lorsqu'on dit que Jérusalem est la capitale d'Israël, c'est une attaque contre le droit international. Autrement dit, il y a des Israéliens qui incorporent dans leur vocabulaire ce que nos ennemis disent. C'est à la limite de l'incompréhensible. Aujourd'hui, Ben Gurion serait considéré par plein de gens dans son parti comme étant un fasciste. C'est quand même incroyable. Encore une fois, on peut être de droite ou de gauche. Mais dire des choses qui n'ont aucun sens du style, on supprime les droits des minorités. Non. Mais ce sont des minorités. Une minorité n'a pas les mêmes droits que la majorité. Bon. Vous allez me dire, oui, mais il faut avoir l'esprit ouvert. Alors, encore une fois, je fais des comparaisons pour que vous vous rendiez compte à quel point les gens qui critiquent Israël, y compris les juifs israéliens qui critiquent Israël, comment dire ça gentiment, ne savent pas de quoi ils parlent. Ben. Est-ce qu'il y a des minorités officiellement en France? Bof. Ben. Il y avait eu des demandes que la Corse ait un statut particulier. Donc il y avait eu une loi qui avait été proposée à l'Assemblée nationale en France, et l'article 1 disait « Le peuple corse, virgule, partie intégrante du peuple français, virgule, a les droits et les devoirs suivants. » C'était fondamentalement la même chose que tous les autres Français, sauf qu'ils iraient, au lieu d'avoir des départements, ils iraient en plus des départements, une espèce d'assemblée corse. Bon. Puis ils auraient le droit à leur langue corse, puis des machins de ce genre-là. Là, il y a des gens qui ont été devant la Cour constitutionnelle, qui est la Haute Cour de justice en France, qui a répondu « Cette loi est non constitutionnelle. On n'a pas le droit de dire qu'il y a un peuple corse, même si on précise partie intégrante du peuple français. En France, il n'y a que des Français. On n'a pas le droit légal de dire qu'il y a autre chose que le peuple français. Les autres n'existent pas. » Alors c'est quand même curieux. Les mêmes gens, aussi bien en France qu'en Israël, qui trouvent normal qu'on nie l'existence du peuple corse, qui existe. Physiquement, ils sont séparés du reste. Ils ont une langue, ils ont des traditions, ils ont plein de trucs. Eux, c'est normal qu'on leur interdise d'exprimer leur, je sais pas comment ça s'appelle, leur corsité. Mais que par contre, quand on dit aux Arabes, vous avez le droit de garder votre langue, vous avez le droit de garder votre jour de repos, vous avez le droit de garder tout votre système d'éducation et tout ça, mais vous n'avez pas de droits nationaux, tout d'un coup, dit une partie de la gauche israélienne, c'est scandaleux. Et c'est scandaleux, pourquoi? Parce que ça a été proposé par Netanyahou. Si ça avait été proposé par quelqu'un d'autre, ils auraient sans doute voté pour. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi créer un problème pour rien si en fait ça ne change pas grand-chose? La réponse, à mon avis, est la suivante.
Vous savez sans doute qu'en Israël, il n'y a pas de constitution. Il n'y en a pas pour des raisons historiques, et demain, c'est pas demain la veille qu'il y en aura une. Mais en échange, il y a un machin qu'on appelle des lois fondamentales. J'en ai une liste quelque part. Il y en a 1, 2, 4, 6, il y en a une douzaine ou une quinzaine. Ces lois fondamentales touchent à tout, la Knesset, l'État d'Israël, le président de l'État, l'économie nationale, Jérusalem, capitale d'Israël, le pouvoir judiciaire, la liberté professionnelle, etc., etc., etc. Donc ces lois-là jouent le rôle de constitution, ça veut dire que ce sont des lois au-dessus des autres lois. C'est-à-dire les autres lois doivent respecter ces lois-là. Parfait, formidable, on est d'accord, pas de problème. Parmi ces lois, vous en avez une qui est, en avez deux plutôt, qui date de 1992, une qui s'appelle Dignité humaine et liberté, et l'autre qui s'appelle Liberté professionnelle, qui insiste lourdement sur les droits égaux de tous les citoyens. Donc on dit qu'on empêche d'avoir, on aurait dû reparler de droits des citoyens, c'est déjà fait dans une loi fondamentale. Bon. Cette loi-là a été adoptée par une majorité très, très, très limitée. Trentaine de voix sur 120, c'est pas des masses. Une vingtaine contre et plus de la moitié d'abstention. De gens qui n'étaient pas là. Mais ça n'a pas empêché qu'elle a été utilisée par la Cour suprême pour fondamentalement changer les décisions juridiques en Israël. Je m'explique. Vous avez Barak, non pas l'ancien Premier ministre, mais l'ancien président de la Cour suprême, qui a dit « Tout ce qui se passe dans la vie est justiciable ». Autrement dit, même si vous ne violez pas la loi, n'importe quoi peut être décidé par la Cour suprême. Pas fini. Si il y a une loi claire, on va dire, ce qu'on a fait était respecter la loi, on ne l'a pas respectée. Si elle n'est pas respectée, on l'annule, entièrement d'accord, s'il n'y a pas de loi dessus. Alors il dit, dans ce cas-là, on va regarder ce que dit la jurisprudence ailleurs, dans d'autres sociétés démocratiques. Ça commence à être pas évident, parce que d'un pays à l'autre, on n'a peut-être pas exactement les mêmes valeurs. En Angleterre, le chef d'État est chef de l'église anglicane. Hein ? En Israël, le président n'est quand même pas président de la synagogue. C'est pas évident, ces images-là. Mais à la limite, ça peut se comprendre. Et il continue en disant, si il n'y a pas de documents qui nous permettent de justifier notre choix, en tant comme raisonnable, cultivé, démocrate, notre décision l'emportera. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Ça a été décidé dans les années 80-90. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. C'est extrêmement grave. Pourquoi ? Parce que ça pousse, en fait, à violer les bases mêmes du droit dans une société. C'est plus la Cour suprême qui vérifie qu'on respecte le droit, c'est la Cour suprême qui invente le droit. Alors là, attention. La Cour suprême fait deux choses en Israël. D'une part, c'est une cour de cassation, la Cour supérieure, pour tous les cas de justice criminelle, civile, etc. Dans ce domaine-là, ils font du très bon travail. Je veux dire, par là, ils sont plus rapides qu'ailleurs dans le monde, ils sont plus efficaces, et comme cour de cassation suprême, c'est sans doute parmi les meilleurs au monde. Par contre, comme cour constitutionnelle, c'est vraiment l'abomination de la désolation. Alors, juste pour rigoler un peu, il y a quelques années, nous sommes à une rencontre à la Cour suprême, on était 10 ou 12, ma femme était avec moi, et à un moment, le vice-président de la Cour suprême nous rencontre, il présentait très bien, type brillant, et nous explique plein de choses de la vie, et finit par dire, un résumé de ce que je vous avais dit avant, s'il n'y a pas de texte, c'est à nous, en tant qu'hommes intelligents et civilisés, de choisir les valeurs de la société israélienne.
Là, il y a un emmerdeur que je connais très bien qui murmure « Ma parole, il se prend pour Moshe Rabbeinu. » Comme vous pouvez vous en douter, c'était moi. Il m'a regardé furax, mais il a fait semblant de ne pas avoir entendu. Il se rendait compte que là, on allait s'engueuler, et pas qu'un peu. Ensuite, il y a un prof de droit qui dit « Vous vous rendez compte, vous avez ridiculisé le numéro 2 de la Cour suprême d'Israël. » Je dis « Mais pour qui il se prend ?» Qu'il soit intelligent, oui. Qu'il soit un juriste éminent, oui. Mais que lui va choisir les valeurs de la société israélienne au nom de quoi? Non. Or, c'est ce qui arrive depuis 30 ans maintenant. Et ça arrive tout le temps. Alors, dans les lois avant la loi « Israël est la nation du peuple juif », la loi disait, une des lois fondamentales disait « Israël a des valeurs juive et démocratique », mais sans préciser ce que ça veut dire. Alors, démocratie, on suppose que c'est démocratie libérale, pas les démocraties populaires. Juif, ça veut dire quoi? Les valeurs juives religieuses, sociales, culturelles, c'est pas évident, c'est écrit nulle part. Mais alors, on peut supposer des choses. Mais dans la pratique, l'interprétation qu'on a donnée à la Cour suprême était toujours démocratique, oui. Et s'il y a un conflit avec juifs, on laisse tomber juif. Donc ce sera uniquement démocratique et pas juif. Avec cette loi, avec la loi « Israël est la nation du peuple juif », les valeurs juives redeviennent à égalité avec les valeurs démocratiques. Vous allez me dire, mais tout ça, c'est rentrer dans des détails que... Il n'y a pas plus tard qu'une dizaine de jours, vous avez... une jeune femme leader du BDS. Alors, il ne faut pas confondre BDS et nazi. Il y a une très grande différence. Les nazis boycottaient les magasins juifs, le BDS boycotte les produits israéliens. Les nazis démonisaient les juifs, BDS démonise les juifs. Les nazis ont massacré les juifs, le BDS veut la destruction d'Israël. Donc en bon français, un génocide du peuple juif. C'est clair, ça. Et il y a même un sondage qui a été fait récemment en Angleterre. Même s'Israël se retirait totalement de tous les territoires occupés, se retirait totalement de Jérusalem, plus de la moitié des gens du BDS continueraient à être contre Israël. Autrement dit, ils veulent la peau d'Israël. Bon. Donc, une des leaders de ce mouvement répugnant néo-nazi décide d'aller s'inscrire à l'université hébraïque de Jérusalem, si c'est pas beau, pour avoir une maîtrise en droits humains. Bon, formidable. Elle arrive à Lod, à Ben-Gurion, et là, on lui dit, non, vous ne pouvez pas rester dans le pays. Le ministre a dit que vous ne pouvez pas arrêter, puisque vous êtes un ennemi de l'État. Vous allez me dire, mais c'est scandaleux, il n'y a que dans les pays fascistes qu'on fait ça. Comme les États-Unis, où n'importe quel garde à la frontière a le droit de vous empêcher d'entrer sur le territoire américain sans avoir à vous donner d'explication. Ou comme la Grande-Bretagne, la mère de toute la démocratie parlementaire et tout, je connais un cas d'un citoyen canadien, donc sujet de sa gracieuse majesté, membre du Commonwealth, qui arrive à Londres et qui se fait dire « Non, vous retournez au Canada ». Personne n'a bronché. Mais la nana, comme elle était épaulée, se plaint devant les tribunaux. Et là, il y a un tribunal qui dit, si effectivement elle fait partie d'un groupe qui veut la destruction d'Israël, le ministre a parfaitement le droit de dire on n'en veut pas. Donc, au lieu de la renvoyer tout de suite vers les États-Unis, on la laisse à Lod. C'est ce qui est complètement débile. Et elle continue de là, elle va directement à la Cour suprême. Dans aucun pays au monde, vous ne pouvez aller directement à la Cour suprême sans passer par toute une tripotée de tribunaux. Hein. Ça dure des mois, sinon des années. Et la Cour suprême a dit, il n'y a rien là. Elle peut rester. Alors l'argument est le suivant. Alors l'argument est grandiose. On ne veut pas savoir si elle était membre de BDS. Pas membre, elle était dirigeante. Mais le fait même qu'elle vienne en Israël pour s'inscrire à l'université... Et la preuve qu'elle ne croit plus au boycott. Donc elle est la bienvenue ici. Autrement dit, vous avez une Cour suprême
qui fait passer des valeurs, à mon avis, pas très démocratiques, certainement au-dessus des valeurs juives et certainement au-dessus de tout. Et la loi sur Israël et la nation du peuple juif a justement pour objectif de limiter les possibilités pour la Cour suprême de décider de tout et de n'importe quoi de façon absolument ahurissante. Alors vous allez me dire, mais oui, mais c'est un cas exceptionnel. Non, c'est pas un cas exceptionnel. Pardon, c'est pas un cas exceptionnel. C'est un machin qui arrive tout le temps. Il faudrait que je retrouve, j'avais un autre exemple. Excusez-moi. Ah oui, Arabaïte. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un peu plus d'un an, il y a eu des émeutes sur le mont du Temple et deux policiers ont été tués, dont un druge d'ailleurs. Bien. Pas bien plutôt. Donc le gouvernement israélien a décidé de mettre des machins, des portails pour empêcher que les gens armés puissent rentrer. Bien entendu, les musulmans ont gueulé comme des putois que c'était une atteinte à leur droit inaliénable. On a protesté à l'ONU. Finalement, le gouvernement israélien a décidé de retirer ces portails. Sauf à un endroit. Cher Abu Ghraib, la porte des Mughrabins, qui est quand vous êtes face au Kotel. À droite, vous avez une rampe qui va vers le... Bon, à cet endroit-là, c'est le seul endroit où il y a ces fameux portails. Toutes les autres entrées, c'est les musulmans qui vont. Ils sont pas fouillés, il n'y a rien. Celle-là, c'est l'entrée des Mughrabim, c'est les juifs et les chrétiens. Alors là, il y a une organisation juive qui dit, mais il y a un problème. Les gens qui sont de danger public, on les laisse rentrer comme ça. Et nous, les juifs et les chrétiens, on n'avait assassiné personne, on nous impose la fouille. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. C'est pas égal, le fameux chivion, l'égalité. Alors on aurait pu s'attendre, si la Cour suprême avait un minimum d'honnêteté intellectuelle, je les aime pas, je vous le dis tout de suite, à ce qu'ils disent, oui, effectivement, il y a un problème là. Non, non, l'argument a été grandiose. Pour des raisons de sécurité, si la police estime que c'est ça qu'il faut faire, eh bien c'est ça qu'on va faire. Mais lorsque pour des raisons de sécurité, la police avait dit qu'il fallait des portails partout, et qu'il y a eu des émeutes contre, la Cour suprême a décidé qu'on avait le droit de le retirer. Autrement dit, la Cour suprême considère que des assassins potentiels ont plus de droits que les victimes potentielles. Avec la nouvelle loi, si elle est appliquée, ça deviendra beaucoup plus difficile d'imposer des choix qui violent les droits du peuple juif. Est-ce que ce sera impossible? Non, mais ce sera plus difficile. Et les exemples, il y en a en masse. Dans certains cas, ça a dans des domaines qui n'ont rien à voir avec ou le peuple juif ou le judaïsme ou quoi que ce soit. C'est tout simplement un choix délibéré de flanquer la pagaille partout où on peut le faire. Par exemple, est-ce que le film L'Empire des Sens vous dit quelque chose? Bon. Quand vous le savez, c'est un film qui date d'il y a longtemps. Histoire d'amour entre une geisha et un samouraï. Bon. Alors, ils sont amoureux, ils couchent ensemble. Il n'y a pas une scène sexuelle qu'on ne voit pas. Hein. C'est absolument incroyable. Et alors, il y a deux façons d'interpréter. Ou bien c'est un film porno, ou bien c'est un film d'art et d'essai. Les deux se tiennent, je m'en fous. Ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon domaine. Ça passe devant ce qui existait à l'époque, une commission de censure. Il y avait des hommes, des femmes, des de droite, des de gauche, des laïcs, des religieux, il y avait tout là-dedans. Ils regardent le film et ils disent non, ça pousse à la violence, d'abord au mépris des femmes, à la violence. J'oubliais qu'à la fin, la bonne femme tue le bonhomme pour avoir l'extase. Bon, dit c'est dégueulasse, ça va pousser les gens à se comporter de façon répugnante, on l'interdit. L'importateur de films qui perd de l'argent avec ça va à la Cour suprême. Dans un autre pays, ce qu'il aurait pu faire, c'est aller devant un tribunal administratif. Ça aurait pris des années. La Cour suprême n'a pas été vérifiée si la commission avait fait son métier comme il fallait, s'il y avait eu quorum, s'il y avait eu le nombre de rencontres qu'il faut, s'ils avaient utilisé les mêmes arguments que dans d'autres cas. Les juges ont regardé le film, ont dit « Nous, on le trouve intéressant, donc on l'autorise ». Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas ni une valeur juive, ni une valeur démocratique. Une valeur démocratique, c'est juste que c'est leur choix
comme honnête homme, de voir un film porno. Mais ça, c'est leur problème, c'est pas le mien. Mais le problème que j'ai, si vous avez une loi qui a créé un organisme public, la commission de la censure, cet organisme public a fait son travail comme elle doit le faire. De quel droit allez-vous changer leur décision? Au pire, vous pouvez peut-être dire, on trouve que la loi devrait être transformée et recommander à la Knesset de passer une autre loi. Ça serait déjà gonflé parce que ce n'est pas votre rôle. Mais à la limite, c'est faisable. Mais de dire, notre choix à nous l'emporte sur le choix de l'organisme public qui a été créé spécifiquement pour prendre les décisions, pousse les gens à ne pas respecter la loi. Je respecte pas la loi, je vais me plaindre à la Cour suprême et j'ai une chance de gagner. Quelque chose qui tourne pas rond. Et les exemples comme ça, on peut les multiplier à l'appel. Alors, le résultat, à mon humble avis de tout ça, c'est que les dirigeants israéliens, Bibi, je crois, a fait une triple opération. Une, enfin, en passant cette loi qui est machiavélique, qui était de planter l'opposition de gauche. Et ça, il a réussi dans les grandes largeurs. Si même Ramon reconnaît qu'ils se sont fait avoir et qu'ils vont perdre les élections, entre autres à cause de ça, à mon avis, il sait de quoi il parle et il a raison. Ça prouve l'insondable crétinisme de la gauche israélienne. Avant, on disait que la France avait le parti socialiste le plus bête au monde. J'ai l'impression que la succession est bien assurée en Israël aujourd'hui. Deuxièmement, il est quasiment impossible pour un Israélien à peu près normal, qui n'est pas obsédé par la haine de Bibi, comme aux États-Unis, ils sont obsédés par la haine de Trump, fermons la parenthèse, d'être contre que Jérusalem est la capitale d'Israël, que l'hébreu, c'est notre langue, qu'on a le droit d'être chez nous. Autrement dit, la majorité des gens, qu'ils soient d'un parti ou d'un autre, vont dire, bah, ouais, ça affirme publiquement des choses qu'on doit affirmer parce que dans le monde et en Israël, il commence à y avoir des gens qui remettent ça en cause. Vous avez des gens qui remettent en cause la tikva en Israël. Comment peut-on demander à un arabe de chanter l'âme juive qui rêve de Jérusalem? Oui. Je comprends très bien qu'un arabe n'a pas envie de chanter l'Iyat Amchavchi Bartsenou, je comprends. Mais soit dit entre nous, l'hymne national canadien, car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix, c'est pas la vision québécoise, c'est l'original en français. Non, ben c'est comme ça que ça a été écrit. Bon, est-ce que ça me choque? Ben non, c'est historiquement, c'est comme ça qu'on l'a écrit. C'est pas une attaque contre ceux qui sont pas chrétiens, c'est comme ça qu'on l'a écrit à l'époque. C'est quoi le problème? Et même le Magen David. Je m'excuse de donner des exemples précis, mais ça permet de comprendre des choses que les gens en général ne savent pas, parce qu'on leur cache, y compris dans les médias juifs. Quelques années de ça, on avait, obtenir le rapatriement de 3 soldats qu'on croyait prisonniers au Liban, mais qui en fait étaient morts, donc les 3 corps, et il y avait un salopard qui faisait du trafic de drogue, qui était prisonnier au Liban, et qu'on a ramené en Israël. Bon. En échange, on avait libéré, je crois, 800 prisonniers palestiniens, dont bien entendu, il y en a plein ensuite qui ont fait des attentats. Passons. Les corps des trois morts arrivent à Lod, à Ben-Gurion, et dans un hangar, il y a la grande cérémonie. Alors vous avez peut-être 2000 personnes là-dedans, il y a le gouvernement au grand complet, il y a toute la Knesset, sauf les Arabes, bien sûr, les Arabes, ils n'avaient rien à en foutre, il y a tout l'état-major, il y a le corps diplomatique, tout le monde est là. Et à un moment, on entend une voix caverneuse, c'est une grande salle, qui dit, mesdames et messieurs, veuillez vous lever, le Rav Rachid Sfahi, le grand rabbin militaire, l'aumônier militaire d'Israël, va dire la prière des morts. Et il est devant 2 des 3 cercueils, recouverts du drapeau d'Israël, donc drapeau blanc, les deux lignes bleues, le Magen David au milieu, et il dit qu'elle me la rachamim. Ah oui. Et puis là, la voix caverneuse dit, veuillez rester debout, l'imam machin va dire la prière des morts. Arrive un type avec un espèce de turban sur la tête qui dit de la prière des morts en arabe devant le 3e cercueil, c'était un bédouin. Sauf que le cercueil était aussi recouvert du drapeau israélien.
Non, mais c'était quelque chose de surréaliste. Vous entendez un chef religieux musulman dire la prière des morts devant le corps d'un soldat musulman recouvert du drapeau d'Israël. Ben oui, il était mort parce qu'il était dans l'armée d'Israël. Autrement dit, c'est pas plus scandaleux qu'il y ait un Magen David sur le drapeau d'Israël, qu'il y a des croissants dans tous les drapeaux, sur tous les drapeaux des pays musulmans, qu'il y a des croix sur une vingtaine de drapeaux occidentaux, etc., etc., etc. Donc, le but de la loi, le premier, c'est de ridiculiser la gauche. Ça, ça marchait. Le deuxième, c'est de rappeler des choses de base pour empêcher que des cornichons aillent devant la Cour suprême pour dire au nom de l'égalité des droits, retirer la tikva, retirer le drapeau national, retirer tout ça. Ça sera beaucoup plus difficile à faire maintenant parce qu'on doit tenir compte des deux, l'aspect juif et l'aspect démocratique. Et le troisième point, c'est que mettre dans le crâne des gens que le peuple juif a des droits et pas seulement des devoirs. Quelque chose qui vous apparaît évident, qui m'apparaît évident, mais qui apparemment n'est pas évident pour plein de gens. Donc on a passé la loi, c'est pas demain la veille qu'on va la retirer, et les seuls gens qui sont vraiment foudrage avec, c'est la Cour suprême, qui a menacé de rendre la loi illégale. Que la Cour suprême décide qu'une loi passée par la Knesset n'est pas légale, il faut se réveiller très tôt le matin. Et d'autant plus que ce n'est pas par hasard que vous avez donné les chiffres, la loi sur qui parle de l'égalité, qui date de 92, qui est passée par un quart des voix. Elle, la Cour suprême, décide que c'est blindé, on ne peut pas y toucher. Autrement dit, ils ne vont pas y toucher, ils vont essayer de ne pas l'appliquer. Donc ça va durer un certain bout de temps, et d'ici là, on pourra se rencontrer à nouveau. Vous venez d'assister à un très bon cours de sciences politiques par le professeur Julien Boer. Sophia od lovda tigvate Shalom.